chapitre 7. C'est dans le lieu où l'on égorge le poste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang. La queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'on détachera près de rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. Il le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Toute offrande cuite au four, préparée sur le gril ou à la poêle, sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron. Sera pour tous les fils d'Aaron. Reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétri à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine. Frites et pétries à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé. Une chose est faite, et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée. Elle sera brûlée au feu. Celui qui se trouve en état d'impureté mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel. Celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine. Et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel d'agneau ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point. Or,
Celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail, dans tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce, apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son sacrifice d'action de grâce. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera et pour ses fils. Dans votre sacrifice d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du corps, je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre, et l'épaule qu'on présentera par élévation. Et je les donne au sacrificateur, à Aaron et à ses fils, par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. C'est là le droit que l'onction sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. C'est ce que l'Éternel ordonne à une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'action de grâce. L'Éternel l'a prescrivit à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants d'Israël de présenter leurs offrandes à l'Éternel dans le désert du Sinaï. Lévitique chapitre 8. Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture. Il le revêtit de la robe et il plaça sur lui l'éphod qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il en le revêtit. Il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Il en fit sept fois l'aspersion sur l'autel et il oignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron
Élohim a fait de la sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture et le attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. L'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les deux rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, pris de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur l'orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils. Et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains. Et il les brûla sur l'autel, par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration. Ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car
sept jours seront employés à vous consacrer. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc sept jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas. C'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Amen. Amen. Leviticus chapter 7, further instructions for the guilt offering. These are the instructions for the guilt offering. It is the most holy. The animal sacrificed as a guilt offering must be slaughtered at the place where the burnt offerings are slaughtered, and its blood must be splattered against all sides of the altar. The priest will then offer all its fat on the altar, including the fat of the broad tail, the fat around the internal organs, the two kidneys, and the fat around them near the loins, and the long lobe of the liver. These are to be removed with the kidneys, and the priest will burn them on the altar as a special gift presented to the Lord. This is the guilt offering. Any male from a priest's family may eat the meat. It must be eaten in a sacred place, for it is most holy. The same instructions apply to both the guilt offering and the sin offering. Both belong to the priest who uses them to purify someone, making the person right with the Lord. In the case of the burnt offering, the priest may keep the hide of the sacrificed animal. Any grain offering that has been baked in an oven, prepared in a pan, or cooked on a griddle belongs to the priest who presents it. All other grain offerings, whether made of dry flour or flour moistened with olive oil, are to be shared equally among all the priests, the descendants of Aaron. Further instructions for the peace offering. These are the instructions regarding the different kinds of peace offerings that may be presented to the Lord. If you present your peace offering as an expression of thanksgiving, the usual animal sacrifice must be accompanied by various kinds of bread made without yeast, thin cakes mixed with oil, wafers spread with oil, cakes made of choice flour mixed with olive oil. This peace offering of the thanksgiving must also be accompanied by loaves of bread made with yeast. One of each kind of bread must be presented as a gift to the Lord. It will then belong to the priest who splatters the blood of the peace offering against the altar. The meat of the peace offering of thanksgiving must be eaten on the same day it is offered. None of it may be saved for the next morning. If you bring an offering to fulfill a vow or as a voluntary offering, the meat must be eaten on the same day the sacrifice is offered, but whatever is left over may be eaten on the second day. Any meat left over until the third day must be completely burned up. If any of the meat from the peace offering is eaten on the third day, the person who presented it will not be accepted by the Lord. You will receive no credit for offering it. By then, the meat will be contaminated. If you eat it, you will be punished for your sin.
Meat that touches anything ceremonially unclean may not be eaten. It must be completely burned up. The rest of the meat may be eaten, but only by people who are ceremonially clean. If you are ceremonially unclean and you eat meat from a peace offering that was presented to the Lord, you will be cut off from the community. If you touch anything that is unclean, whether it is human defilement or an unclean animal or any other unclean, detestable thing, and then eat meat from a peace offering presented to the Lord, you will be cut off from the community. The forbidden blood and fat. Then the Lord said to Moses, give the following instructions to the people of Israel. You must never eat fat, whether from cattle, sheep, or goats. The fat of an animal found dead or torn to pieces by wild animals must never be eaten, though it may be used for any other purpose. Anyone who eats fat from an animal presented as a special gift to the Lord will be cut off from the community. No matter where you live, you must never consume the blood of any bird or animal. Anyone who consumes blood will be cut off from the community. A portion for the priests. Then the Lord said to Moses, give the following instructions to the people of Israel. When you present a peace offering to the Lord, bring part of it as a gift to the Lord. Present it to the Lord with your own hands as a special gift to the Lord. Bring the fat of the animal together with the breast and lift up the breast as a special offering to the Lord. Then the priest will burn the fat on the altar, but the breast will belong to Aaron and his descendants. Give the right thigh of your peace offering to the priest as a gift. The right thigh must always be given to the priest who offers the blood and fat of the peace offering. For I have reserved the breast of the special offering and the right thigh of the sacred offering for the priest. It is the permanent right of Aaron and his descendants to share in the peace offerings brought by the people of Israel. That is their rightful share. The special gifts presented to the Lord have been reserved for Aaron and his descendants from the time they were set apart to serve the Lord as priests. On the day they were anointed, the Lord commanded the Israelites to give these portions to the priests as their permanent share from generation to generation. These are the instructions for the burnt offering, the grain offering, the sin offering, and the guilt offering, as well as the ordination offering and the peace offering. The Lord gave these instructions to Moses on Mount Sinai when he commanded the Israelites to present their offerings to the Lord in the wilderness of Sinai. Leviticus chapter 8. Ordination of the priests. Then the Lord said to Moses, bring Aaron and his sons, along with their sacred garments, the anointing oil, the bowl for the sin offering, the two rams, and the basket of bread made without yeast, and call the entire community of Israel together at the entrance of the tabernacle. So Moses followed the Lord's instructions, and the whole community assembled at the tabernacle entrance. Moses announced to them, this is what the Lord has commanded us to do. Then he presented Aaron and his sons and washed them with water. He put the official tunic on Aaron and tied the sash around his waist. He dressed him in the robe, placed the ephod on him, and attached the ephod securely with his decorative sash. Then Moses placed the chest piece on Aaron and put the Urim and the Thummim inside of it. He placed a turban on Aaron's head and attached the gold medallion and the badge of holiness to the front of the turban, just as the Lord has commanded him to do. Then Moses took the anointing oil and anointed the tabernacle and everything in it, making them holy. He sprinkled the oil on the altar seven times, anointing
anointing it in all its utensils, as well as the washbowl and its stand, making them holy. Then he poured some of the anointing oil on Aaron's head, anointing him and making him holy for his work. Next, Moses presented Aaron's sons. He clothed them in their tunics, tied their sashes around them, and put their special head coverings on them, just as the Lord had commanded him. Then Moses presented the bull for the sin offering. Aaron and his sons laid their hands on the bull's head, and Moses slaughtered it. Moses took some of the blood, and with his finger he put it on the four horns of the altar to purify. He poured out the rest of the blood at the base of the altar. Through this process, he made the altar holy by purifying it. Then Moses took all the fat around the internal organs, the long lobe of the liver, and the two kidneys, and the fat around them, and he burned it all on the altar. He took the rest of the bull, including its hide, meat, and dung, and burned it on a fire outside the camp, just as the Lord had commanded him. Then Moses presented the ram for the burnt offering. Aaron and his sons laid their hand on the ram's head, and Moses slaughtered it. Then Moses took the ram's blood and splattered it against all sides of the altar. Then he cut the ram into pieces, and he burned the head, some of its pieces, and the fat on the altar. After washing the internal organs and the legs with water, Moses burned the entire ram on the altar as a burnt offering. It was a pleasing aroma, a special gift presented to the Lord, just as the Lord had commanded him. Then Moses presented the other ram, which was the ram of ordination. Aaron and his sons laid their hand on the ram's head, and Moses slaughtered it. Then Moses took some of his blood and applied it to the lobe of Aaron's right ear, the thumb of his right hand, and the big toe of his right foot. Next, Moses presented Aaron's sons and applied some of the blood to the lobes of their right ears, the thumbs of their right hands, and the big toes of their right feet. He then splattered the rest of the blood against all sides of the altar. Next, Moses took the fat, including the fat of the broad tail, the fat around the internal organs, the long lobe of the liver, and two kidneys, and the fat around them, along with the right thigh. On top of these, he placed a thin cake of bread made without yeast, a cake of bread mixed with olive oil, and a wafer spread with olive oil. All these were taken from the basket of bread made without yeast that was placed in the Lord's presence. He put all these in the hands of Aaron and his sons, and he lifted these gifts as a special offering to the Lord. Moses then took all the offerings back from them and burned them on the altar on top of the burnt offering. This was the ordination offering. It was a pleasing aroma, a special gift presented to the Lord. Then Moses took the breast and lifted it up as a special offering to the Lord. Next, Moses took some of the anointing oil and some of the blood that was on the altar, and he sprinkled them on Aaron and his garments and on his sons and their garments. In this way, he made Aaron and his sons and their garments holy. Then Moses said to Aaron and his sons, "Boil the remaining meat of the offering at the tabernacle entrance and eat it there, along with the bread that is in the basket of offerings for ordination, just as I commanded when I said, 'Aaron and his sons will eat it.' Any meat or bread that is left over must be then burned up. You must not leave the tabernacle entrance for 7 days, for that is when the ordination ceremony will be completed. Everything we have done today was commanded by the Lord in order to purify you, making you right with him. Now stay at the entrance of the tabernacle day and night for 7 days, and do everything the Lord requires. If you fail to do this, you will die, for this is what the Lord has commanded." So Aaron and his sons did everything the Lord had commanded through Moses. The word of God for the people of God. Amen.
chapitre 7. Mes règlements pour yo suivre les moun a fait offrande pour payer pour ça yo te fait qui mal. Offrande ça yo c'est offrande y a mette à pas net pour Seigneur. Y a touye bête pour offrande ça sous bon hôtel là. Sous quatre bol hôtel là. Y a mette tout pati sa yo. Kea, graisse qui vlopi tripa yo. De rognon yo ak tout graisse qui sou yo a. Ensemble avec masse graisse qui sou foi. La ofri yo sou l'hôtel là pour Seigneur. Prêt la va bouler tout pati. C'est ça yo rele yon offrande pour réparer ça yo te fait qui mal. Tout garçon nan famille prêt yo capable manger là-dedans. C'est pour yo manger côté yo mette à part pour bon Dieu. Parce que c'est yon offrande qui a pas net pour bon Dieu. Offrande pour payer pour ça yo te fait qui mal là. C'est même bagay ak offrande pour péché yon moun fait sans le pa konnen. C'est même règlement pour tout dé. Jan lan va rete pour prêtre qui fait offrande là. Pour bête ya offri pour boule pour bon Dieu ya, va rete pour prêtre qui fait offrande là. Tout offrande faite à grain qui sorti dans jardin. Kit yo te kuit nan fou, kit yo te kuit sou platine ou sinon sou gris, y arrete pou prêt ki te ofri ofran yo bay bon Dieu. Mais lese yon ofran gren ki soti nan jardin ki fait tout kri, kit li mélange avec l'huile, kit li cherche, c'est pour tout petit Aaron yo lié. C'est pour yo séparer le bayo tout. Mais règle offrande pour dire bon Dieu merci. La offri yon bête pour yo touyer et puis ensemble avec vin mélangé avec l'huile olive. Pain plat sans levain avec l'huile olive passé sous lit et puis tout gâteau fait avec fleur farine mélangé avec l'huile olive. Comme ça tout la offri avec bête pour yo touyer touyer pain cuit avec lait vin. La poignon dans chaque qualité pain yo. Yo va arrêter pour prêtre qui va prendre son bête là pour voyer sous l'hôtel là. Quand ta vienne bête là, c'est pour yo manger toute même jour touyé là. Yo pas fait pour quitter rien pour demain matin. Mais viande qui rete pour troisième jour, c'est pour yo boule yo. C'est si yo manje, en yen nan offrande la sou troisième jour. C'est yon viande faisande. Moun ki manje l va payer pour ça le faire. Souvienne là c'est yo pa ka
si yon moun ki pa apre li fin manyen yon bagay ki pa nan kondisyon pou fè servis bon Diye. Kit se yon moun, kit se yon bèt, kit se nenpòt lòt bagay, se pou yo metèl deyò net nan mitan pèp bon Diye. Se yè a pale ak Moïse, ka nou jam manje gres bèf, gres kabrit osi non gres ni gres bet yon bet nan bwa touye men nou gen dwa servi ak gres la pou nou fè nenpòt lòt bagay nou vle le yon moun manje gres yon zanimo yo te ofri pou boule pou seye a, se pou yo metel de yo net nan mitan pep bon Diye a. Nenpòt ki kote nou ye, pi ga nou jam manje san oazo, ni san se pou yo metel de yo net nan mitan pep bon Diye a. Seye a pale ak Moïse, li dil kon sa. Men sa O Diye mersi. Ofran espesyal pou seye a. La potèl ak mèl pou yo boulèl pou seye a. La potè gres bèt la ansanm ak tout poitrine la. Pou yo ka balanse yo tankou yon ofran devan seye a. Pwèt la va boule gres la sou l'otel la, men poatrin lan va rete pou Aaron ak pitit li yo. Na pranji go doat bet li te ofri pou di bon Diye mersi a. Na bay pwèt la li pou li prezante l tankou yon ofran devan seye a. Kon sa, pwèt ki ofri san ak gres bet yo te touye pou di bon Diye mersi a va resevwa poatrin bet la se yon ofran espesyal ya anik balanse l devan seye a jigo dwat la se yon ofran ya anik prezante devan seye sa se bagay tout moun toutan se porsyon sa yo pou yo pran nan ofran yo fè pou boule pou seye a pou yo te bay Aaron ak pitit li yo depi jou sa pou yo bay prèt yo porsyon sa yo nan ofran lan sa se yon règleman pou pèp Israel la toujou suiv de pitit an pitit men règleman pou yo suiv le a fè ofran pou yo boule pou seye yo le a fè ofran pou peche moun fè sa yo pa konnen ofran pou peye pou sa yo fè ki mal ofran pou le a mete prèt yo a pa pou bon Diye ofran pou di bon Diye mersi se se a menm ki te bay Moïse règleman sa yo sou moun Sinaï nan mitan dezè a jou li te mande moun pep Israel yo pou yo fè ofran bali.
Lévitique chapitre 8. Se a parlé ak Moïse, li di l kon sa. Pran Aaron ak petit garçon yo an. Pa pou bon Dieu. Panye pain sans levain yo tout. Après ça, ou a rele tout peuple là pour yo sembler devant porte caille. Et puis tout peuple là sembler devant porte son lieu proche. Là, a gros rat la sou Aaron. Li mare senti ouan nan ren li. Après ça, li mette gilet a sou li. Li mare bel senti ouan gilet a nan ren. Et puis li mette plastron an sou li. Li mette ou rim ak tourim yo nan poche plason li mare tèt Aaron gen pawòl sa yo gravé sou li a pa pou bon Dieu li mare l sou devan mouchwa d'après l'ordre Seigneur a te bali. Après ça, Moïse prend l'huile pour mettre mon appât pour bon Dieu. Li voye l sou kaye bon Dieu ak tout bagay ki la dan. Se kon sa li te mette yo appât pour servise ye. Li voye l'huile la 7 fois sou l'autel la ak sou tout bagay ki servi sou l'autel la. Sou ki vet la ak tout piye li. C'est comme ça li mete yo a pa pour service bon Dieu. Les fini encore, li prend l'huile pour mettre moun a pa pour bon Dieu. Li vide l sous tête Aaron. C'est comme ça li mete l a pa pour bon Dieu. Moïse fait petit garçon Aaron yo poche. Li mette rad yo sou yo. Li passe senti on nan rein yo. Li mare mouchwa tête sous tête yo. D'après l'ordre Seigneur a te bali. Après ça, Moïse fait menen titoroyo offri pour payer pour sa moun fè ki mal la. Aaron ak petit garçon yo mette men yo sou tête li. Le fini, Moïse touye toroa. Li trempe douèt li nan san toroa. Li mette ti gout san sou 4 kon l'autel la. Après ça, li fè ofran pou peye pou tout sa moun fè ki mal sou l'otel la. Li vide tout resan a te nan piye l'otel la. Se kon sa li mette l apa pou bon Dieu. Li mande bon Dieu grâce pou li. Apre sa, Moïse pren gres ki vlo petri pa yo. Mas gres ki sou fwa. Ansan mak de ronyon yo ak tout gres yo. Li boule yo net sou l'otel la. Men, li pren tout vyan tito wa. Po wa ak tout tripay la. Li boule yo ande yo limit kote yo rete ya. Dapre l'od Seigneur a te bali. Apre sa, Moïse fe menen belye mouton ki pou boule net pou seye ya. Aaron ak petit garçon yo mette men yo sou tèt li. Moïse touyel, li pran san. Li boule tèt la. Moso vyan yo ak tout moso gres yo net sou l'otel la. Moïse la vetripa yo ak piye yo nan dlo. Apre sa, li boule tout to wa net sou l'otel la. Sete yon bet li ofri pou boule net nan di fe pou seye.
yon offrande bête ka fè Seigneur a plaisir ak bon sent li d'après l'autre Seigneur a te bali. Après ça, Moïse fait mener l'autre bélier mouton. Bélier qui pour servir dans cérémonie pour mettre prête yo à pas pour Seigneur. Aaron ak petit garçon li yo mette main yo sous tête li. Moïse touye l, li pointi gout sang nan bélier a. Li mette l sous tête, li mette l sous tête oreille droite Aaron. Sous pouce main droite li ak sous gros orteil pied droite li. Après ça, Moïse fait tes oreilles droites yo sous gros pouce main droite yo ak sous gros orteil pied droite yo. Les fini, Moïse prend récent li vide tout arrebol hôtel là. Après ça, li prend tout morceau graisse yo, li prend tout morceau graisse yo kèr, tout graisse qui vlopé tripa yo, moso gres ki sou fwa, de ronyon yo ak tout gres yo, ansan mak jigo doat la. Nan pan yon pen san levin ki devan seye, li pran yon pen antye, yon gato fet ak l'huil, ak yon pen rale, li mette yo sou moso gres yo ak sou jigo doat la. Apre sa, li mette tout bagay sa yo nan men a on, ap nan men petit garçon li yo, li balanse yo devan seye a tan kou yon ofran. Apre sa, Moïse pran ofran yo nan men yo, li boule yo sou l'hôtel la an wo, ofran ki tap boule deja. Sete yon ofran pou bay, pret yo pou vwa pou yo servi bon Diye. Yon ofran bet kap boule nan net nan dife pou seye a. Yon ofran bet kap fe seye a plezi ak bon sant li. Moïse pran moso poitrine lan, li balanse l devan seye a tankou yon ofran. Nan belye ki te servi nan seremoni pou mete pret yo a pa. Se porsyon sa a ki te pou Moïse, d'après l'ordre Seigneur a te bay Moïse la. Laisse ça. Moïse prend ti goutte dans l'huile pour mettre mon appa pour service bon Dieu. Li mélange l'accent qui était sous l'autel là. Li voyait le sous Aaron ak sous Radlio. Sous petit garçon Aaron yo ak sous toute Radlio. Moïse parlait ak Aaron ensemble ak petit garçon yo li di yo. Na fè kuit viande bélier a devant porte rendez-vous. C'est là na manje le tout ensemble ak pain ki nan panier ofran yo fè lè nou tap recevoir pour voir pour faire service pour bon Dieu. D'après l'ordre mwen te recevoir lè li te di. Aaron ak petit garçon yo va manger viande bélier a. Si gen gres nan viande la ak nan pain ki rete apre yo fin manje, na boule l nan dife. Pendant 7 jours, nou pap soti devan pot tant randevou a, jou kle a va fini ak seremoni pou mete nou a pa pou servis bon Diye. Paske ya pran 7 jours pou fè seremoni pou ban nou pou vwa pou fè servis pou bon Diye. Sa nou wè nou fè jodi a, se Seigneur a même qui te bay l'ordre pour nous faire, pour payer pour tout ça nous te fait qui mal pendant 7 jours. La journée coule en nuit. N'a arrêté devant porte tant rendez-vous et puis n'a fait tout ça Seigneur te ban nous l'ordre faire. Si c'est pas ça, n'a mouri. Oui, mais l'ordre Seigneur te ban moyen. C'est comme ça Aaron ak petit garçon li yo te fait tout ça Moïse te di yo Seigneur a te bali l'ordre faire.
Ça, c'est parole, bon Dieu, pour paix, bon Dieu. Amen. Seigneur, me consoler, ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Elle était avec